Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir bravé le brouillard et d'être venu jusqu'à nous ce soir pour ce débat autour du roman graphique qui sera suivi, on me demande de vous le préciser, par une verrée, comme on dit par ici, c'est-à-dire le verre de l'amitié qui sera servi juste à côté. Voilà, ce soir, nous sommes trois intervenants et chacun d'entre nous a différentes casquettes, mais ce qui nous réunit, c'est que nous sommes tous les trois éditeurs. Donc, mon nom est Thierry Grunstein, je suis le commissaire de l'exposition sur le roman graphique que j'imagine la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion de visiter. Mais je suis par ailleurs éditeur, dirigeant une collection chez Actes Sud, une collection de romans graphiques, ça tombe bien, et qui s'appelle Actes Sud l'an 2. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. À mes côtés, Benoît Peters, que vous connaissez certainement en tant qu'auteur, scénariste de bande dessinée, notamment de la série Les Cités Obscures avec François Skeuten, romancier, spécialiste d'Hergé, biographe de Jacques Derrida, de Paul Valéry, mais lui aussi est ici avant tout comme éditeur, puisqu'il remplit un rôle de conseiller éditorial auprès des éditions Casterman et qu'il dirige sa propre maison d'édition qui s'appelle Les Impressions Nouvelles et dont le siège est à Bruxelles. Et enfin, de l'autre côté, un autre Benoît, Benoît Chevalier, qui lui est graphiste de son métier et de formation, j'imagine, mais qui est l'un des deux fondateurs des éditions Atrabil, qui sont à Genève et qui ont vu le jour en 97. Vous étiez trois, je crois, au départ. Pas tout à fait, deux et demi. Je rappelle que tu as un micro. S'il marche, oui. En fait, on était deux. Vous étiez deux avec Daniel Pellegrino. Avec Daniel Pellegrino et on a eu une première année un peu difficile. Donc il y a une troisième personne qui est venue une personne que je connaissais en fait qui est venue nous s'associer, qui est restée un petit moment et qui est repartie. D'accord. Voilà. Voilà, et donc nous avons tous, même si nous ne sommes pas tout à fait de la même génération, puisque Benoît Chevalier a une quinzaine d'années de moins que Benoît Peters et moi-même, nous avons en tout cas tous vécu, accompagné et peut-être dans une certaine façon promu cette révolution du roman graphique qui sera notre sujet ce soir. Et la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré cette expression de roman graphique, de ce que vous en avez pensé et du temps qu'il a fallu pour que vous l'adoptiez, si toutefois vous l'avez adopté. Peut-être qu'aujourd'hui encore vous êtes réticent face à cette expression, cette catégorisation qui ne fait pas l'unanimité dans le monde de la bande dessinée et dont l'exposition montre qu'elle est problématique. Donc voilà, est-ce que cette votre histoire avec le roman graphique, est-ce que vous pourriez la résumer brièvement en introduction de notre débat? Alors, je crois qu'il faut distinguer entre la réalité, entre la chose et les mots. Il me semble avoir davantage entendu dans ma jeunesse ou lu l'expression « roman en bande dessinée », qui était un slogan très important pour la revue à suivre, qui est apparu en 1978 ou 78, dans le premier numéro, on faisait allusion au roman en bande dessinée. J'ai connu aussi, à peu près à cette époque-là, un ouvrage qui était paru au Canada, dont on reparlera peut-être, qui s'appelle The Cage, de Martin Vaughan James, qui fait partie de l'exposition et qui s'appelait roman visuel. Et puis le mot roman graphique s'est imposé peu à peu. Donc voilà, ça a été ambigu pour moi et je n'arriverai pas à me souvenir précisément si j'employais le mot roman graphique avant Maus, disons. Voilà. J'ai un petit problème technique, je ne peux pas faire défiler les images, je suis bloqué sur la diapositive écran et je voulais montrer, puisque tu évoquais à suivre, ici même, qui faisait la couverture du premier numéro, mais les images ne passent pas, alors... Merci Eric de venir voir ce qui se passe. Benoît Chevalier. Alors,
Alors, pour nous, c'est, pour moi et pour Daniel aussi, puisqu'on a une expérience commune, je dirais que c'est plutôt lié... On était des grands consommateurs de comics américains. Et le terme graphic novel est apparu très tôt dans le domaine de la bande dessinée. Et étonnamment, nous, on était consommateurs, entre guillemets, de graphic novel, sans faire le lien intellectuel du roman graphique. Parce que pour nous, c'était un produit américain et que du coup, ils avaient une façon d'aborder la bande dessinée qui a beaucoup ouvert les yeux, en tout cas de l'édition Intrabile. Mais ce n'est pas directement le roman graphique. Et puis, la confrontation qu'on a eue avec le roman graphique, c'est peut-être à peu près à l'époque de Pilule Bleue, où en fait, on nous a dit... Mais en fait, le livre de Frédéric Peters, voilà, que vous avez publié. Voilà. Qui, en fait, on nous a dit, plutôt les journalistes, tout ça, en fait, vous faites des romans graphiques. Donc, c'est plutôt de ce sens-là que c'est apparu pour nous. Un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc, vous faisiez du roman graphique, mais vous ne le revendiquiez pas. Et aujourd'hui, voilà. Est-ce que vous le revendiquez? Est-ce que c'est une appellation que vous utilisez dans votre communication? Oui, mais je ne sais pas si on en parlera après. Pour nous, c'est une semi... Ça a deux facettes, c'est plus ou moins réussi en fait le roman graphique. C'est un beau levier pour essayer d'intéresser des gens qui n'ont pas de rapport direct avec la bande dessinée et aussi pour les journalistes parce que du coup ils ont quelque chose à s'accrocher qui est peut-être plus intéressant. Par contre, nous on estime qu'on fait de la bande dessinée et que le roman graphique est. Voilà, c'est un peu complexe et c'est vrai que bon, l'expo en parle aussi. Donc voilà, mais on s'en revient. Oui, je voudrais faire un petit préambule là-dessus, de même qu'on a longtemps cru que la bande dessinée était une invention américaine avec le Yellow Kid et que nous avons tenté de démontrer à quelques-uns que la bande dessinée était une invention européenne, en l'occurrence plutôt suisse, avec Töpffer, dès les années 1830. De même, je suis persuadé qu'il y a eu une sorte d'impérialisme du terme de graphic novel par rapport à une invention qui me paraît européenne. Et si je peux faire une démonstration très très rapide, on pourrait parler de Breccia en Argentine, mais il y a un moment qui est encore plus décisif et qui est en 1967 en Italie avec Hugo Pratt qui commence à faire paraître une série de chapitres qui ensemble formeront la balade de la mer Salée. Ça paraît dans une petite revue, Sergent Kirk, et puis c'est repris en forme de livre. Et quelques années après, différentes tentatives d'édition du travail d'Hugo Pratt en France, qui était passé dans Pif Gadget, dans François, dans Tintin, après quelques tentatives infructueuses d'albums classiques, Casterman va éditer La balade de la mer Salée en un gros roman souple qui va obtenir un prix à Angoulême. Il se trouve que cette année-là... 1975. Il se trouve que cette année-là, un grand auteur américain qui était un peu éloigné de la bande dessinée depuis quelques années, Will Eisner, est à Angoulême. Il a eu le prix à Angoulême pour son travail antérieur. Il est extrêmement impressionné par la vitalité de la bande dessinée européenne. Et peu de temps plus tard, va paraître aux États-Unis A Contract with God, a graphic novel. Puis on aura Spiegelman, etc. Et donc on a un peu l'impression, avec la fortune de graphic novel, que les Européens sont arrivés dans un second temps. Mais en réalité, si on regarde cette chronologie italienne d'abord, puis cette parution française, ce prix à Angoulême qui donne une énorme visibilité à l'image et qui va donner à Casterman l'envie de faire suite, on peut dire que probablement c'est Pratt. Or, Pratt était lui-même allé en Argentine et avait eu des contacts très importants avec Alberto Breccia. Donc voilà une origine qui serait un peu argentine, un peu italienne, un peu belge, un peu française, et qui finalement, par rebond, arrive aux États-Unis, sauf que, comme aux États-Unis, c'est un événement, parce qu'on n'avait pas de livres comme ça, parce qu'on n'avait pas la même tradition de l'album, on aura l'impression que c'est presque un écho du graphic novel qui va s'imposer comme roman graphique. Et ce qui est très frappant aussi, c'est que quand on parle avec des Américains de ce qu'est un graphic novel,
ils n'ont pas exactement la même idée que nous pour quand on parle d'un roman graphique. Tout album est ipso facto un graphic novel. Si un album d'Astérix traduit aux États-Unis, là-bas, est perçu comme un graphic novel. Alors et Watchmen, qui rassemble des fascicules de super-héros, est un graphic novel et même un des chefs-d'œuvre du graphic novel. Alors, tu as parlé de La Balade de la Mer Salée de Pratt, donc, dont je rappelle que c'est un récit qui fait 163 pages en noir et blanc. Et c'est sur le modèle de cet ouvrage que Casterman a conçu quelques années plus tard donc le concept du mensuel à suivre. On voit ici à l'écran une page de l'album de Tardy et Forest ici même qui faisait la couverture du premier numéro d'À suivre et qui reste l'un des fleurons de la collection des romans à suivre. Voici une page de Silence de Comès qui a suivi de très près et une page de La Fièvre d'Urbicand, d'album dont tu es le scénariste et qui est le deuxième volet des cités obscures. Alors, on peut dire quelques mots là-dessus, parce qu'effectivement, l'expression de roman en bande dessinée est une réalité éditoriale avant même la fondation de la revue À suivre. C'est-à-dire que Casterman décide de faire des livres longs, souples, en noir et blanc, et avec des contrats de romanciers. Et ça, c'est très important, parce qu'on a récemment exhumé des archives de Casterman, et on voit vraiment la formule pour ce roman en bande dessinée d'au moins 100 pages, et le pourcentage attribué à l'auteur n'est pas le pourcentage traditionnel de la bande dessinée, mais un pourcentage plus élevé pour permettre à l'auteur de se consacrer éventuellement pendant 2 ans à la préparation de cette œuvre. Donc il y a là une sorte de conscience qui se produit, et pour nous, par exemple, le premier album qu'on a fait chez Casterman, c'était un album 48 pages cartonné couleur, traditionnel, et le deuxième, on nous a dit, ça y est, ben, si vous voulez du noir et blanc et plus de pages, vous allez passer dans la collection roman à suivre. Donc il y avait quand même le sentiment de franchir une ligne, et je dirais qu'on était là au cœur de la définition d'À suivre, c'est-à-dire que... les grands récits, le transpersonnage, ici même, Corto Maltese en Sibérie et bien d'autres, c'était un peu l'essence de la revue et autour de cette essence venaient s'agréger des récits de forme plus traditionnelle. Après tout ça s'est dilué, la revue n'a pas gardé, je dirais, le côté presque intégriste de ses débuts, mais la révolution à suivre, c'était ça, de longs récits en noir et blanc avec la densité des grands romans, pas d'ailleurs forcément des grands romans littéraires, ça pouvait être aussi des grands romans populaires, des grands romans d'aventure, des grands romans feuilletons, mais il y avait cette dimension. Et elle était pensée éditorialement, ce n'est pas juste un projet d'auteur. Pratt et Tardy ont l'un et l'autre souhaité une revue, mais Casterman pensait déjà à des livres. Mais tu le disais, le premier volet des Cités Obscures, les Murailles de Samaris, c'était un 48cc, selon l'expression de Jean-Christophe Menu, donc 48 pages cartonnées couleur. À cette époque-là, Françoise Cuyten et toi, vous aviez le projet d'une série classique, d'albums de standard, et c'est finalement sur l'impulsion de l'éditeur que vous êtes passé à d'autres formats, ou bien... Non, pas du tout. D'abord, on n'a jamais eu le projet d'une série classique avec héros récurrents et formes et techniques récurrentes. Ça, jamais. Mais je dirais plutôt qu'on faisait nos classes. C'est-à-dire que François avait publié dans Métal Hurlant des récits courts qui ont après été rassemblés en un album, Carapace. Et nous, on arrivait, moi je venais du monde littéraire, on n'avait pas vraiment la maîtrise de longs récits. Donc, pour frapper à la porte et être accepté, on est venu avec quelque chose de plus modeste. Et comme les couleurs de François étaient très séduisantes et qu'il avait eu du succès avec des albums en couleur, c'était une bonne porte d'entrée. Très vite, quand on a eu l'intuition de l'album La Fièvre d'Urbicand, j'ai dit à François, je me souviens très bien, j'ai dit, j'ai eu une insomnie, ce récit ne peut pas entrer dans un 48 pages, on va le gâcher. Et alors il m'a dit, mais tu te rends compte, c'est le deuxième album et on va quitter la collection. La solution traditionnelle, ça aurait été de le diviser en 2 ou 3 albums. Ah oui, mais c'était pas non plus notre genre. Alors, j'ai convaincu François et puis on a dû convaincre Casterman qui m'a dit, donc votre collection, ça commence bien, vous avez un premier volume et puis ça y est, pour le deuxième, non seulement il n'y a pas le même héros, mais en plus c'est en noir et blanc et en plus c'est dans une autre collection, ça ne va pas être terrible. Heureusement, nous avons eu le prix du meilleur album à Angoulême l'année suivante, ce qui a calmé tout le monde. Et quand on a dit après notre prochain roman, il y aura un peu de couleur dedans, mais c'est un récit en noir et blanc, c'est passé.
Voilà, donc comme quoi les prix d'Angoulême, ça peut aider. Mais au départ, c'est vrai que les formules étaient assez rigides chez Casterman. C'était le noir et blanc long et souple ou la couleur à un format plus traditionnel. Et l'aventure d'à suivre se termine en 97, c'est-à-dire précisément l'année où naît Atrabile. Je me tourne vers Benoît Chevalier pour lui demander, est-ce que Daniel et toi-même, vous aviez été lecteur d'à suivre et est-ce que ça a représenté quelque chose d'important qui vous a peut-être donné l'envie de publier des livres différents? Alors, je ne pourrais pas dire ça comme ça, mais Daniel, pas du tout. Non. C'est un vrai, c'est un vrai lecteur de comics, en fait, et de Will Eisner et des frères Hernandez. Donc, une littérature différente. Moi, j'ai lu les à suivre, bien sûr, ça a été très, très important pour moi. Par contre, ça n'a pas insufflé, par exemple, d'envie de créer une maison d'édition ou de rebondir sur la disparition d'une autre. Daniel et moi, on travaillait en tant qu'auteur. Donc, il faisait des scénarios, je dessinais. Et ce n'était pas glorieux. Et on s'est dit qu'il fallait quand même participer et on voulait quand même exister dans le monde de la bande dessinée. Et puis, voilà, et puis il y avait des gens autour de nous particulièrement doués. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, c'est en fait, voilà. Après, je pense que 1997 correspond à une année, en tout cas Genève, particulière, parce que c'était un peu, je ne dirais pas l'apogée, mais en tout cas une partie importante d'un certain milieu alternatif qui s'était développé autour des arts. Et, les fanzines, tout ça, vous venez quand voilà, même de cette effervescence-là. Voilà, complètement. Oui. Et ça allait même un peu plus loin, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se battaient pour des appartements avec des squats, essayer de trouver des lieux pour des artistes, pour avoir des ateliers, ce genre de choses. Et tout ça a fait une sorte d'effervescence qui est aussi, je pense, clairement dans le sang de la maison d'édition. Alors, on a cité tout à l'heure le titre de Maus, qui est évidemment un jalon important dans l'histoire du roman graphique. Or, puisque nous étions avec Casterman, il est de notoriété publique que Maus a été refusé par Casterman. Je rappelle que Maus avait été refusé par 11 éditeurs aux États-Unis avant de trouver une maison d'édition, mais en France, Casterman a refusé Maus, ce qui est quand même étonnant puisqu'ils étaient les principaux promoteurs à l'époque du concept de roman en bande dessinée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce refus, Benoît Peters? Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Art Spiegelman et son épouse Françoise Mouly avaient créé une revue appelée Rao, qui est une revue mythique, de grand format d'ailleurs, qui ne ressemble pas du tout à un roman graphique. Mais, et dans cette revue, plusieurs auteurs internationaux, dont Hardy, étaient publiés. Mais Maus y apparaissait sous forme de chapitre avec des petits cahiers, déjà à peu près au format de l'album qu'il y allait avoir. C'était encarté. Et Tardy, impressionné par la chose et puis trouvant peut-être qu'il y avait une réciprocité à trouver puisque lui était accueilli dans la revue, dit à Jean-Paul Mougin, le rédacteur en chef, il faudrait absolument publier. Bon. Et il vient avec Spiegelman qui montre les cahiers et on prête à Jean-Paul Mougin qui est décédé depuis quelques années, donc bon, ce mot est légèrement sujet à caution. Après lecture, on prête la phrase « Le storyboard est bien, il ne reste plus qu'à le dessiner ». Alors certains disent que c'était réellement un storyboard, d'autres que c'était les pages définitives. Mais je crois que si on réfléchit moins cruellement à cette anecdote, ce qui a manqué à Jean-Paul Mougin, c'est probablement l'idée qu'il pouvait encarter lui aussi des petits cahiers. Parce que si on agrandissait le dessin d'Art Spiegelman au format du dessin de Pratt ou de Comès ou de Munoz, ça ne marchait pas. On voit très vite que ces pages, à un format classique, n'allaient pas du tout. Comme beaucoup plus tard, on aura chez Casterman le problème avec des auteurs japonais comme Taniguchi. Taniguchi qui sera massacré avec le journal de mon père qui est agrandi. Et donc, il aurait fallu cette idée, c'est-à-dire que le roman graphique, au fond, n'est pas un format, mais un style, une approche du récit. Or, pendant longtemps,
aux États-Unis, on avait un format qui ressemblait effectivement à celui du roman, et en France, tout en augmentant les paginations, on restait dans un format album traditionnel. Et c'est tout récemment, et c'est à votre époque, avec Atrabile, avec l'association, avec d'autres, qu'on s'est dit, mais au fond, on s'en fiche du format. C'est pas le format qui fait le livre. Il y a des dessins qui marchent mieux dans un format plus réduit. Imaginez Persepolis au format d'un grand album, ça n'irait pas du tout. Et donc, à l'époque d'Assuivre, en tout cas au début d'Assuivre, cette idée-là n'était pas encore d'actualité. On gardait l'idée que la bande dessinée, au fond, bah, c'était la taille d'un Tintin ou d'un Astérix, mais qu'on pouvait modifier la technique. Alors on a sur l'écran un des ouvrages marquants de la collection Écriture, qui est la nouvelle collection de romans graphiques que Casterman a lancée à partir de 2002, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 ans d'interruption entre la fin d'Assuivre et le lancement de cette collection-là, pendant lesquelles Casterman est revenu à des formats traditionnels et s'était détourné complètement de ce champ de la création. Alors, je crois que tu as participé au lancement de la collection Écriture, à sa définition. Donc, comment est-ce que et pourquoi est-ce que Casterman y est revenu? Est-ce que c'est sous l'influence des indépendants, justement, qui entre-temps avaient un petit peu défriché le terrain et commencé à installer ce format? Parce qu'il faut préciser que là, on est dans un format qui est proche du format de Maus, justement. Et pour être précis, c'est un 17-24. Tout à fait. Alors, là, c'est une histoire dont je suis directement un acteur, en plus une histoire un peu controversée. Casterman a connu, après à suivre quelques années d'égarement avec des gens qui pensaient que la bonne vieille BD classique avec héros et 48 pages, etc., c'était ça que le public voulait. J'étais évidemment, et mon ami François Skeuten aussi, horrifié, je l'ai dit à plusieurs reprises, et heureusement, ces repreneurs ont fini par être éjectés et sont arrivés des gens un peu plus attentifs au patrimoine de la maison. Casterman avait, à la fin d'Assuivre, manqué complètement le virage de l'édition indépendante. La plupart des auteurs, notamment de l'association, ont été refusés, ont frappé à la porte. C'était le premier lieu parce que spirituellement et artistiquement, narrativement, ils étaient les enfants d'Assuivre, de bien d'autres choses, mais notamment d'Assuivre aussi, de Moebius, aussi des Américains, aussi des Japonais, etc., de Futuropolis. Mais ils avaient tous frappé à la porte. Et ayant été rejetés par une revue qui était devenue conservatrice après avoir été novatrice, ils ont eu l'idée formidable de s'associer, de créer une revue, Lapin, et puis les livres que l'on connaît, qui au début semblaient aux éditeurs traditionnels, Dargaud, Dupuis, Casterman, ça semblait un petit peu des petits fantaisistes, il y a toujours eu des fanzines, des marginaux, etc. Et puis tout d'un coup, on a vu que ces auteurs avaient une puissance narrative, avaient un humour, avaient une adéquation avec une nouvelle génération de lecteurs. On s'est dit, oh là là, on a laissé échapper quelque chose. Et en plus, de grands auteurs comme Edmond Baudouin les rejoignaient. Enfin, ça devenait un foyer d'attraction. Alors, il y a eu la question, est-ce que c'était un effet de mode? Et moi, j'étais persuadé que ce n'était pas un effet de mode. Donc, j'ai dit à Casterman, à un moment où, après avoir fait des critiques horribles, en disant, grosso modo, François et moi, on va partir, quoi. Voilà, vous avez trahi la bande dessinée qu'on aime. Et on a dit, mais qu'est-ce que tu proposerais? Et j'ai proposé trois choses, et l'une des trois était la création de la collection Écriture, une collection de romans graphiques internationaux pouvant publier aussi bien Taniguchi que des créations françaises, que des créations nord-américaines. Craig Thompson est américain. Voilà, je me souviens, j'ai vu le manuscrit de ce livre chez Art Spiegelman, qui me dit, c'est un peu sentimental pour moi, mais ça devrait te plaire. Je l'ai lu la nuit à New York, je l'ai rapporté. On m'a dit, mais on ne peut pas faire ça, c'est 600 pages. Et puis au début, on a étudié, est-ce qu'on pourrait le couper en 2 volumes, etc. On a vu que ça ne marchait pas, et on l'a fait. Pour la petite histoire, j'ai eu l'édition américaine de ce livre entre les mains, et j'ai voulu le publier aussi en France, dans ma propre maison d'édition. Et quand j'ai demandé si les droits étaient disponibles, on m'a dit, on a signé avec Casterman il y a 8 jours. Bon, voilà. Heureusement que j'avais été vite. Voilà, parfois, il faut aller un petit peu vite. Mais à ce moment-là, cette collection qui s'est imposée assez vite, notamment avec le succès de Quartier lointain de Taniguchi et d'autres albums, a suscité des critiques des indépendants et notamment de Jean-Christophe Menu, l'animateur principal de l'association, qui a publié un petit pamphlet appelé « Plate-bande ». Où Futuropolis, dans sa nouvelle version, et Casterman, pour Écriture, et quelques autres, étaient étriés, où je l'étais moi-même personnellement. Et sur le moment, je l'ai assez mal pris, je dois dire. Et puis en réfléchissant,
j'ai trouvé qu'on avait chacun un petit morceau de la vérité et que ce que disait Jean-Christophe Menu n'était pas tout à fait faux. Effectivement, les grands éditeurs étaient allés sur les plates-bandes des indépendants et leur avaient compliqué la vie. Mais d'un autre côté, s'ils l'avaient fait, c'est parce que le phénomène du roman graphique n'était plus un phénomène ponctuel, mais un phénomène majeur, et que ça aurait été pour les grandes maisons d'édition presque se suicider que de renoncer à aller vers ce genre de livres dont beaucoup ont trouvé un large public. Voilà, donc je comprends que quand on a lancé quelque chose et qu'on le voit un peu récupéré par des grosses maisons, parfois avec plus de moyens, ce choix râlant. Mais depuis, il me semble que le roman graphique s'est imposé comme une réalité tellement large dans le paysage de la bande dessinée qu'aucun éditeur, petit ou grand, ne pourrait dire « moi je fais que de la BD ». Voilà, parce que c'est, si on voulait distinguer bien les mots, on devrait aussi dire BD, bande dessinée, roman graphique, parce que BD, c'est une espèce d'idée un petit peu comme ça, des gros nez, de la chose rigolote, on se prend pas la tête, c'est plutôt pour les gosses, etc. La bande dessinée représentait déjà un changement, et puis le roman graphique, ben, il nous a permis, il permet par exemple d'être ici, à la Fondation Jan Michalski, dans un lieu plus littéraire, qui certainement n'aurait jamais fait une exposition sur la bande dessinée. Et encore moins sur la BD. Benoît Chevalier, chez Atrabil, vous l'avez ressenti comment, cette récupération par les grands éditeurs du format roman graphique? Est-ce que vous avez eu cette même amertume que Jean-Christophe Menu a exprimé? Oui, on était complètement dans la lignée de Jean-Christophe. Oui. Avec un regard alors qui n'est pas directement lié avec écriture, mais un certain nombre de... À l'époque, au début, en fait, des grands éditeurs qui commençaient à faire des bouquins avec une pagination plus large, en petit format, etc., une impression qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'on était en train de faire et qu'ils faisaient une espèce de copie mal faite de ce qu'on essayait, nous, de défricher dans le domaine. Mal faite, pourquoi ? Mal faite parce que des auteurs... Parce que des auteurs pas forcément adaptés, parce qu'après il y a eu plein de tests, ils ont aussi fait des petits formats de grands formats de bande dessinée, redécoupés, quoi. Il y a eu plein de choses. Hein. Je dis pas qu'il faut chercher aussi. L'expérience personnelle qu'on a eue par exemple nous, c'est que Guy Delcourt par deux fois est venu nous voir pour nous acheter, parce que en fait c'était la solution qu'il a trouvée pour pouvoir faire des bouquins qui ressemblent aux bouquins qu'il y avait sur le marché, puisqu'il était incapable d'en faire. Et pendant longtemps, ça a été un peu ça. Et nous, on se battait beaucoup avec Jean-Christophe sur le fait de dire, ben, en fait, on dilue l'espèce de qualité, d'excellence qu'on essaie de mettre en place par un travail un peu moins bon chez des gens qui n'ont pas vraiment encore compris le problème. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Oui, puis par exemple, dans le cas de Casterman, c'était aussi un retour aux sources, puisque le roman en bande dessinée, il était là. Futuropolis... Ils étaient là, même avant Casterman, en prônant une idée du livre de bande dessinée, de la liberté de l'auteur, que ce soit la liberté de pagination ou liberté de format. Donc, c'est des échanges. Mais je crois qu'à un moment, le phénomène était tellement profond. Alors, bien sûr, il y a eu des erreurs hein, chez chacun. Il y a des gens qui se sont dit « je vais faire du roman graphique, c'est plus chic ». Mais quand, par exemple, on a publié Taniguchi, qui, à sa façon, au Japon, faisait du roman graphique, sauf que ce n'était pas considéré comme ça, puisque ce terme, évidemment, n'existait pas, on a permis à un public beaucoup plus large de le découvrir que s'il avait été édité sous forme de manga. On a décidé, pour Quartier Lointain, avec un auteur lui-même de roman graphique, Frédéric Boilet, d'adapter le livre, de l'adapter au sens de lecture européen, et Taniguchi a découvert avec émerveillement que lui, qui était lu essentiellement par des hommes entre 30 et 50 ans au Japon, puisque les revues dans lesquelles il publiait étaient pour ce public-là, il était lu par des adolescentes, par des vieux messieurs, par des gens qui n'ouvraient jamais une bande dessinée, par des gens qui disaient « je déteste les mangas », de même qu'avec Maus, on avait des gens qui détestaient la bande dessinée et qui tout d'un coup ont dit « oui, mais bon, ça, c'est plus une bande dessinée, ça, c'est un grand livre. » Donc, et on a la même chose aujourd'hui avec l'Arabe du futur. Voilà, donc on a aussi besoin par moments de ces révolutions un peu opportunistes. Et Pilule Bleue en a bénéficié, Persepolis en a bénéficié, et bien d'autres grands livres. On n'achète pas toujours les choses uniquement pour les bonnes raisons. Il y a des effets de mode, il y a des appellations qui permettent, par exemple, que des journalistes qui ne parlent pas de bande dessinée tout d'un coup en parlent, qu'une exposition soit consacrée. Et je crois qu'on en a tous profité, même si aujourd'hui, peut-être, la surproduction de romans graphiques et de bandes dessinées finit par ôter quelques-uns des avantages qu'on avait. Mais cet élan-là,
il a permis aussi à des créateurs de trouver un nouveau format, à des gens qui n'étaient pas des dessinateurs virtuoses de faire des livres magnifiques, qui étaient inconcevables dans les anciens codes. Donc je pense que grosso modo, la révolution du roman graphique, ça a quand même été plutôt positif, mais comme toutes les formes, enfin, quand on dit, je sais pas, la nouvelle vague au cinéma, ça a aussi produit des films pas très intéressants de temps en temps. Mais il n'empêche, c'était un mouvement fabuleux. Alors, on a vu passer sur l'écran des images des livres de Taniguchi. On a vu aussi Habibi de Craig Thompson. Habibi fait, si ma mémoire est bonne, 672 pages. Qu'est-ce qui justifie le fait que Habibi paraisse en un seul volume et que Quartier lointain, par exemple, de Taniguchi, soit divisé en plusieurs volumes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que c'est l'auteur qui en décide? Est-ce que l'éditeur, là, joue un rôle prépondérant dans cette décision de subdiviser ou pas une histoire quand elle dépasse une certaine ampleur? Pour Quartier lointain, on était au début de la collection. On a tout simplement suivi le découpage de l'édition japonaise, qui était en deux volumes aussi. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditions de Quartier lointain, comme de Maus, qui sont en un seul volume. Donc, il y a une tendance à faire ou des intégrales ou à reprendre la chose. Dans le cas de Habibi, on était déjà installé comme ça, et je pense que Craig Thompson n'aurait pas du tout accepté de division. Ce qui est très frappant dans un livre comme Habibi, que j'aime beaucoup, je suis un fan du travail de Craig Thompson, c'est que vraiment la notion d'écriture graphique est là. Il peut utiliser une page pour une tête de chapitre, pour une enluminure, et puis il peut revenir sur une double page à une écriture très bande dessinée, très serrée, très dense. Et cette liberté-là, elle suppose d'avoir une pagination forte. J'ai fait récemment un premier livre en écriture avec une dessinatrice plus d'une autre génération, Aurélia Horita, et on a des pages où il y a une petite image, une phrase, etc. Parce qu'on sait qu'on a plus de 200 pages. Si je suis dans un album de moins de 100 pages, je ne vais pas me permettre ce genre de choses. Chaque page doit, c'est un petit peu comme... Parfois on se demande pourquoi les Black et Mortimer de Jacob sont si denses. Mais Jacob, il faisait paraître une page par semaine. Donc pour que le lecteur soit pris par l'histoire, il fallait bien mettre énormément de choses. Et la densité même en texte de Jacob, elle convient très bien. Si Jacob avait connu le roman graphique, peut-être qu'il aurait fait 200 pages pour un Black et Mortimer et qu'il aurait mis beaucoup moins d'images par page pour donner à son dessin toute sa dimension. Ce sont des... Et je trouve que ça, c'est une belle liberté du roman graphique, comme un recueil de poèmes, par exemple. On ne va pas dire à l'auteur « Ah, on pourrait tasser les poèmes, il y a trop de blanc, pourquoi c'est blanc entre les strophes ?» Non, c'est la liberté d'une écriture. Il y a du roman graphique, mais il y a parfois de la poésie graphique ou de l'essai graphique. Alors jusqu'à présent, on n'a vu que des images de livres de chez Casterman, et nous ne sommes pas payés par Casterman. Ici, ce soir, je tiens à le dire, donc il est temps de montrer autre chose, et notamment un petit peu nos productions respectives. Donc on va passer tout de suite à Trabil. Quelques images qui m'ont été envoyées, proposées par Benoît Chevalier. Je vais te laisser les commenter. Donc vous avez une revue, d'abord, c'est important. On avait. Vous aviez. Voilà. Oui, c'est très important. Alors ça correspond à de la naissance de la maison d'édition à peut-être 10 ans d'exercice, avec une périodicité relative. C'est très important parce que pour nous, ça a été moi j'avais pu lire à suivre, autant Daniel avait pu lire Raw. Donc on avait deux influences intéressantes pour apporter quelque chose à la revue. Et tout le monde faisait des revues en fait. Il y avait Lapin pour l'association, etc. Et le cheval sans tête pour Amok. Ouais. Et que c'était un bon terrain d'expérimentation principalement. Ça veut dire que en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur, on s'y retrouvait pour différentes raisons, parce que un récit petit où on peut expérimenter des nouvelles formes graphiques des fois ne tient pas sur la longueur. Et ça permet d'attirer à soi de nouveaux auteurs. Complètement. L'avantage de Bill Noir, c'est qu'on a pu à certains moments laisser une partie de la rédaction du livre à un auteur qui lui invitait d'autres auteurs que nous on connaissait pas, etc. Donc il y a eu un mouvement comme ça, à tel point que je sais pas si on en débattra peut-être une fois, mais le Mathieu, Ibn al-Rabin, qui est un auteur genevois, qu'on verra après, a mis au point la bande dessinée abstraite.
Et donc on a eu des auteurs, même Lévi-Strondheim, s'est exercé à la bande dessinée abstraite dans Bill Noir. Donc ça, c'était plutôt intéressant, évidemment. Pilule Bleue, que tu as déjà cité tout à l'heure, a été, je crois, votre plus gros succès, ou en tout cas votre premier très grand succès. C'est notre plus gros succès. C'est toujours votre plus gros succès. C'est à peu près le... C'est un des deux bouquins qui se vend encore tous les mois partout en France, en Belgique. Et c'est un récit autobiographique. Et donc, c'est peut-être l'occasion de préciser que quand on parle de roman graphique, il ne s'agit pas nécessairement de fiction. Alors qu'en littérature, roman est synonyme de fiction. On peut appeler roman graphique des récits autobiographiques, des chroniques, des bandes dessinées documentaires, des bandes dessinées scientifiques. Voilà. L'appellation est suffisamment large que pour pouvoir intégrer tout cela ? Complètement. Après, comme j'ai dit un petit peu avant, le terme de roman graphique, c'est aussi un terme un peu générique pour aider le marketing, on va dire, pour faire un peu des gros mots. Nous, on aime bien dire qu'on fait des livres d'auteurs. Mm-hmm. Donc, si un roman graphique est un livre d'auteur, évidemment qu'il peut prendre la forme que l'auteur... souhaite. Historiquement parlant, la plupart des romans graphiques qui ont créé le genre, ceux dont on a parlé, Will Eisner, Spiegelman, Pratt, étaient en noir et blanc. C'est également le cas de Pilule Bleue. Mais pour un petit éditeur indépendant comme Atrabile, est-ce que le noir et blanc, c'est un choix esthétique ou c'est une contrainte économique ? Parce que vous aviez à l'époque les moyens de faire des albums en couleur. Est-ce que publier chez Atrabile, ce n'était pas automatiquement être publié en noir et blanc ? Alors, c'est un peu des deux. Évidemment que le côté économique est très important. Je pense que depuis Pilule Bleue à nos jours, ça a beaucoup changé aussi. Les imprimeurs sont moins chers, quoi. Les techniques sont plus abordables, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça a un peu changé. Mais à l'époque, le noir-blanc était une contrainte claire. Il y avait aussi l'idée de faire une autre bande dessinée. Mm-hmm. Et donc, comme on réfléchissait sur le format, sur la pagination, on s'est, par rapport, je dirais, vraiment à la bande dessinée 48 pages couleur traditionnelle, et ben on s'est dit ben il faut aussi explorer en fait le noir-blanc. Et que nos auteurs, on leur offre la possibilité d'aller voir un peu ce qu'on est capable de faire avec seulement du noir-blanc. On a vu par contre que la couverture était en deux couleurs, ce qui était un peu une tradition chez Atrabile, en tout cas dans les premières années. Ouais. Et elles étaient même, je crois, tirées en sérigraphie au début, comme Cornelius faisait chose d'ailleurs. Oui, mais c'est vraiment juste le début alors. Oui. Parce que on avait donc à Genève, il y a aussi un sérigraphe qui s'est lancé dans la bande dessinée qui s'appelle Drosophile. Qui existe encore, mais qui fait peut-être un bouquin tous les deux ans, quelque chose comme ça. Il fait vraiment ça pour son plaisir. Et il y avait un troisième petit éditeur qui s'appelle Bulbe Comics. Mm-hmm. Et très rapidement, on s'est rapproché, puisqu'on est arrivé en même temps sur la scène. Et Drosophile nous sérigraphiait les couvertures. Donc c'était chouette de travailler avec un ami, c'était une opportunité intéressante financièrement. Bon, voilà. Mais après... pour des raisons de résistance, de produits, malheureusement, j'aime pas trop ce terme, mais de produits livres qui doivent vivre en librairie, parce qu'à partir d'un certain moment, on a eu ce qu'on n'a pas eu au départ, un vrai diffuseur, donc, parce qu'au départ, on était nos propres diffuseurs. Donc, du coup, les livres qui voyagent beaucoup plus, les contraintes physiques font que... Voilà, on voit d'autres livres maintenant. Je ne sais pas si tu souhaites les commenter. Alors, c'est important. Donc, Pilule Bleue, c'est important parce que c'est notre premier succès avec une vraie reconnaissance des journalistes et de nos pairs. Jason, le Hattan, c'est aussi un bouquin très important parce que c'est une première traduction. C'est un auteur norvégien, mais qui vit en France. Ouais, il était déjà installé en France à l'époque. Non, pas encore. Non. C'est une rencontre à Angoulême. Alors ça, c'est un truc un peu après du métier, mais Angoulême, c'est un truc très particulier puisque c'est un énorme salon où il y a beaucoup de gens qui viennent avec évidemment beaucoup de gens qui ont des projets et souvent c'est pas très intéressant. Donc là, c'était tout d'un coup un projet particulier qu'on a lu en norvégien, mais comme la bande dessinée quand même permet une certaine compréhension de ce qui se passe, et on s'est dit
l'heure suivante, on s'est dit non mais c'est évident qu'il faut faire ce livre. Donc et c'est aussi un livre qui a eu un peu de succès. L'autre fin du monde, donc Imdal Rabin, c'est un jeune voix. Bon, je l'ai mis dans cette sélection un peu comme un clin d'œil. C'est une époque où les paginations des livres augmentaient de plus en plus. Et un soir, autour d'un verre, il nous dit « Moi, j'ai envie de mettre tout le monde d'accord, je vais faire un livre de plus de 1000 pages. » Et on lui a dit « Ok, on y va. » Le bouquin est parti comme ça. Il faut se souvenir que le premier livre important de Lewis Trondheim, « Lapino et les carottes de Patagonie », le projet initial, c'était de faire un album de 500 pages, ouais. Et il ne savait pas très bien ce qu'il allait raconter. Il s'est lancé dans un récit qui était improvisé à mesure. Alors, c'est un peu le genre aussi. Oui. Et puis l'autre anecdote, c'est que fabriquer un bouquin comme ça, c'est compliqué, parce que du coup, on rentre dans des contraintes d'épaisseur, de reliure, donc du coup, on a dû se retourner chez les gens qui faisaient des bibles ou des dictionnaires, mais on fait des tirages beaucoup trop petits, donc ça ne les intéresse pas, ils ne veulent même pas considérer la chose, donc on commence à avoir la possibilité de travailler à l'étranger, mais de plus en plus loin pour essayer de trouver... Voilà. Et malheureusement, en plus, dans toute cette histoire, on imprime, on relit, on s'en sort, il y a des camions qui reviennent avec le livre, et à l'arrivée, les pages sont transparentes. Parce qu'on a choisi un papier trop fin, parce qu'évidemment, il ne fallait pas que ce soit trop épais, et, oui. Et donc le bouquin était illisible. Au ouais, pilon. Complètement au pilon, voilà. Et on est reparti avec un autre bouquin, et cette fois, on est carrément parti en Chine pour la fabrication. Et voilà, deux pages de Jason, donc tirées de Hatan. Et ça, c'est deux pages de... Et ça, c'est Ibn al-Rabin. Alors, il y a quatre pages. Il ne se passe pas grand-chose dans ces deux-ci, mais remarquez la fenêtre qui est alternativement allumée et éteinte. En fait, le personnage principal n'arrive pas à dormir. Voilà. Effectivement, il faut beaucoup de pages pour pouvoir raconter ce genre de choses. C'est ce que disait Benoît, l'autre Benoît il y a... Exactement. Quelques instants. Mais le lecteur ne se pose pas le problème parce qu'il a le temps de lecture du livre et il considère le livre comme une totalité. On n'est plus à dire « Oh là là, il ne s'est pas foulé sur cette page-là ». Alors qu'à l'origine, quand nous, on publiait avec François dans À suivre, les pages étaient rémunérées au fur et à mesure qu'on les livrait. C'était presque plus important pour les jeunes auteurs que les droits futurs des albums. Alors si on avait une page avec deux cases... Jean-Paul Mougin nous dit ah non là ça c'est pas possible, ça je la paye pas. Et donc on avait cette sorte d'autocensure interne qui était il faut que chaque page raconte beaucoup. Il n'aimait pas les pages muettes par exemple aussi. Parfois il peut y avoir des séquences magnifiques et le scénariste ça ne lui demande pas moins de travail de faire une page muette que de faire une page bavarde. Mais Jean-Paul Mougin, il voulait un temps de lecture pour sa revue et pour chaque chapitre, puisqu'on attendait un mois entre deux chapitres de l'histoire. Avec le roman graphique, quand il est sous forme de livre, on a tout à fait perdu cette idée-là. On prend le livre comme un tout, on s'y abîme comme dans un roman. Et on s'habitue à l'idée qu'une bande dessinée, ça ne se lit pas nécessairement en 20 minutes, mais qu'on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Je dirais même que la plus grande catastrophe qui soit arrivée à la bande dessinée, c'est parfois que des albums se lisent en 20 minutes. Et quand vous prenez les anciens Tintin, Spirou, Black et Mortimer, qui avaient plutôt 64 pages que 48, et ils étaient souvent sur 4 bandes, et donc une histoire racontait beaucoup. Et puis, à partir du succès d'Astérix, qui a compris astucieusement qu'on pouvait faire plus d'albums si on ne faisait que 48 pages, et qu'avec le carton, le public n'y voyait que du feu... Les Astérix restaient très denses, mais ils ont donné l'idée à d'autres de faire des histoires un peu ténues en les prolongeant d'album en album. Et donc des séries qui n'étaient plus avec des albums, des récits autonomes, mais des récits perpétuellement à suivre, qui devenaient au fond des chapitres. Et ça, je pense que ça a fait beaucoup de tort à la bande dessinée, parce que ça a donné le sentiment qu'on achetait un livre quand même assez cher, qu'on le lisait très vite, et à la limite qu'on n'y reviendrait pas. Alors que celui qui achète Pilule Bleue ou Persepolis, il va le prêter, ou il va le relire, il va y revenir, il a le sentiment d'avoir un vrai livre. Et donc, le temps de lecture et le prix de vente sont tout à fait concordants. Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'un combat commun qui a été celui des éditeurs indépendants, l'association Cornelius, Frémoc, les requins marteaux, Atrabil et les autres, ça a été de faire en sorte que la bande dessinée pénètre le circuit des librairies généralistes.
Il faut se souvenir que la bande dessinée, on la trouvait principalement chez les libraires spécialisés et pour certaines bandes dessinées les plus populaires dans les super et hypermarchés. Mais finalement, les vrais libraires, en tout cas les libraires généralistes, il y avait très peu de bandes dessinées. Ce combat-là, aujourd'hui, on peut dire qu'il a été gagné et que le roman graphique a été un peu le cheval de Troie qui a permis de le gagner. Mais comment est-ce que vous y êtes pris pour arriver à forcer ce barrage-là et à rentrer dans ce circuit? Je me souviens de grandes discussions avec Menu, par exemple, oui, à ce sujet-là. On s'y est pris d'une façon assez traditionnelle, hein, avec des bons livres et des bons diffuseurs, je dirais, des bons commerciaux qui sont allés voir un peu tout ça, essayer de trouver des failles, en fait, au moins placer un bouquin, c'est déjà une victoire, et petit à petit rentrer comme ça. Après, je pense que c'est le temps et la multiplicité des titres qui font qu'on ne peut plus passer à côté. Je me souviens qu'après le succès de Persepolis, qui a été un phénomène d'édition, le roman graphique a pénétré plus facilement les librairies généralistes, mais que dans le rayon bande dessinée, on trouvait surtout les livres de l'association et que tous les autres éditeurs indépendants étaient réduits à la portion congrue. Ça a changé quand même. Oui, alors ça a changé. Après, c'est toujours... on ne va peut-être pas rentrer dans des histoires de diffusion et de distribution, mais c'est vrai que... ça a changé. Si on arrive à faire des relations de confiance avec le libraire, le libraire, en fait, malgré tout, il devient un personnage hyper important dans tout l'écosystème du livre. On peut difficilement s'en passer, et même si on est tous présents sur Amazon, c'est pas ce genre de support qui porte l'édition indépendante. Mais on a quand même, ces dernières années, on peut dire depuis 10 ans, tous souffert, les petits éditeurs en premier, même les gros, en tout cas les choses les plus innovantes chez les gros, parce que la production a été multipliée, pas seulement à cause du roman graphique, aussi la bande dessinée traditionnelle, évidemment l'arrivée du manga, le comics qui a repris pas mal de place, et les rayons bande dessinée, finalement, n'ont pas tellement grandi. Donc la bande dessinée représente une part assez significative du monde du livre, mais chez certains libraires, le rayon, il reste confiné. Alors face à une production qui est surabondante, avec des produits, parce qu'il y a chez certains gros éditeurs, des produits qui sont un peu survendus, où mettre les autres? Et finalement, une partie du roman graphique et de l'édition indé, ou des gens encore plus indés que vous, que les impressions nouvelles, en ont souffert. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, un temps d'exposition très très réduit. Et finalement, on a eu le sentiment à un moment qu'on avait gagné une bataille. On s'est dit, ça y est, la presse commence à prendre au sérieux la bande dessinée. Y a des auteurs comme Emmanuel Guibert ou Sfar qui sont invités dans des grandes émissions. Il y a eu des adaptations. Bon, quand tu citais Persepolis, c'est aussi un immense succès du dessin animé, etc. Et on a eu l'impression que quelque chose s'ouvrait, que quelque chose avait changé, que ce pourquoi chacun à notre façon s'était battu était couronné de succès. Et puis là, je pense que ces dernières années, on a une déconvenue, c'est-à-dire que finalement, on s'est un peu replié sur notre public. On a aussi eu un phénomène, c'est que y a de plus en plus de livres de BD assez gros, assez longs à lire, assez chers, et que notre public, qui est le plus curieux, le plus innovant, il achète aussi d'autres choses. Il va au spectacle, il va au cinéma, il lit des romans, il lit des essais. Et donc, quand il a acheté, moi ce que j'aime c'est les monstres d'Émile Ferris, il va peut-être pas instantanément acheter une autre bande dessinée assez coûteuse et aussi assez longue à lire. Parce que... On va peut-être donner quelques chiffres. On peut dire qu'aux alentours de 1980, il y avait une quarantaine d'éditeurs de bandes dessinées francophones et 500 à 600 albums qui paraissaient chaque année. Aujourd'hui, il y a 400 éditeurs, donc 10 fois plus, qui publient chacun au moins une bande dessinée dans l'année. Hein, et ça augmente, ce chiffre ne cesse d'augmenter d'année en année, et à peu près 5000 bandes dessinées. Donc effectivement, le problème que tu mentionnes vient de là, et l'offre a augmenté dans des proportions beaucoup plus rapides que la demande. Hein, voilà, le public n'a pas, lui, cru dans les mêmes proportions. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à cette difficulté-là. Et probablement que, en tout cas ces dernières années-là, il y a des nouvelles façons de consommer
la culture, on va dire. Je ne vais pas parler des livres numériques, mais par exemple les abonnements à la musique ou les abonnements de Netflix, pour citer ça, ont clairement aussi un impact, en fait, parce qu'à force, malgré tout, un porte-monnaie avec un certain budget pour du divertissement, on va dire, s'il est aspiré par quelqu'un d'autre, il n'est plus dans le monde de la bande dessinée ou de la littérature. Alors là, on a un autre album plus récent d'Atrabile et on voit qu'aujourd'hui, vous publiez aussi des livres en couleur. C'est sûr. Alors, c'est un des premiers d'ailleurs. Mais tout à l'heure, on disait que les grands éditeurs avaient copié les petits, avaient copié les indépendants. Et maintenant, comme vous faites de la couleur, c'est un peu le contraire qui se passe. Et donc, est-ce que les frontières ne sont pas définitivement brouillées? Alors, si on regarde notre production éditoriale, je ne pense pas. Effectivement, on est gentiment, même si on édite encore des histoires de bande dessinée et des romans graphiques, on va dire, on a aussi une frange de l'édition qui part un petit peu plus dans l'expérimental et qui frôle comme, avec peut-être... Comme avec ceci, par exemple. Exactement, c'était pour ça que j'avais On va terminer par celui-ci. Ça, c'est pas du tout un livre de bande dessinée, en fait. C'est un livre d'illustration, moi, j'aimais bien le mettre là parce que donc, c'est une sortie très récente. C'est un très gros bouquin avec beaucoup de pages. Donc, c'était un challenge éditorial. C'est aussi un auteur qu'on connaissait à l'époque de la création d'Atrabile. Et qu'un vœu pieux, c'était de l'éditer. Et que ça a mis 20 ans pour nous. Mm-hmm. Qu'il nous fasse confiance, qu'il trouve de l'intérêt, quoi, je ne sais pas exactement, pour pouvoir faire un bouquin. Et il y a une suite, il y a un livre là qui arrive. D'accord. Un dernier mot, il y a une logique de collection dans le catalogue d'Atrabile, où il y a de plus en plus de livres qui sont hors collection. Oui. La collection était un peu pour rigoler, parce que quand on a créé Atrabile, il y avait Bill Noir, donc, qui est un synonyme. Et puis on a commencé à chercher un peu de l'étymologie de tout ça, et puis on a découvert la médecine antique. Et donc les fluides dans les corps qui définissaient l'humeur, et que donc ça définit les collections. Et les collections étaient définies pas du tout par leur contenu, mais juste par des formats. Ça veut dire que quelqu'un qui veut travailler peut-être quelque chose de plus léger était dans une collection. Et puis on a remarqué assez vite que c'était pas forcément intéressant, et que d'ouvrir encore plus la liberté à tel format, tel auteur, tel livre. Donc effectivement, maintenant on est plutôt avec une collection hors collection. Donc je vais me permettre maintenant de dire quelques mots rapidement sur ma production d'éditeur. En 2002, j'avais créé à Angoulême les éditions de l'an 2, et 5 ans plus tard, après que nous ayons publié quand même 69 titres en 5 ans, hein, ce qui était beaucoup pour un petit éditeur débutant, cette maison a été rachetée, absorbée par le groupe Actes Sud, que vous connaissez tous, qui est avant tout une maison littéraire, mais qui aujourd'hui a beaucoup grandi et publie des livres dans absolument tous les domaines, y compris donc de la bande dessinée, puisqu'il y a deux collections de bande dessinée chez Actes Sud, l'une dont je ne m'occupe pas, qui s'appelle Actes Sud BD, et l'autre qui est Actes Sud l'an 2, pour bien marquer la continuité avec les éditions de l'an 2. Alors voilà ce qui est à ce jour mes pilules bleues à moi, donc mon best-seller. Ce sont les deux premiers volumes d'une série qui en comportera 4, donc c'est une tétralogie, mais l'auteur met à peu près 5 ans pour faire chaque volume, donc c'est l'œuvre de sa vie, hein. C'est un dessinateur berlinois, chaque livre fait plus de 300 pages, et ce projet est d'une ambition démesurée, puisqu'il a entrepris rien moins que de raconter l'histoire de la vie dans l'univers et sur notre planète depuis le Big Bang, le commencement le plus lointain qui soit documenté, plus ou moins. Dans Alpha, on s'arrête à l'apparition du premier homme. Dans Beta, on va jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'au début de notre ère. Beta volume 2, puisque Beta est en deux volumes sur lesquels il travaille actuellement, ira jusqu'à nos jours, et ça se conclura par Gamma, qui sera de la prospective sur les formes que la vie pourrait prendre dans le futur. Alors c'est à la fois un livre scientifique, voilà, vous voyez deux pages ici qui ne sont pas consécutives, hein, avec
une documentation très, très rigoureuse, mais c'est en même temps évidemment une vision d'artiste. Et Jens Harder va puiser des images dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, sur tous les supports qu'il fait dialoguer, qu'il rapproche, qu'il redessine dans son style à lui. Donc il n'y a presque pas d'images inventées de toutes pièces. Ce sont à 95% des citations d'images déjà existantes, hein, qu'il a collationnées et qu'il a eu l'idée de faire dialoguer sur la page. Donc je ne vous en parle pas plus longuement, parce que je pourrais me laisser entraîner par mon enthousiasme, mais vous pouvez trouver ces livres à la librairie ici, et il y a 2 pages originales dans l'exposition. Voilà. Donc c'est assez inattendu quand même que de faire un succès de librairie avec ça, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans de la bande dessinée classique. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'intrigue, c'est pas de la fiction. Ce sont des livres qui, en tant qu'objet déjà, pourraient être un peu impressionnants, voire intimidants. Bon, eh bien, non seulement nous en sommes au 7e tirage, je crois, en France, mais c'est publié dans le monde entier. Et en Chine, par exemple, ça a été un très très gros succès. Hein. Et le fait que ça ait très bien marché en Chine a ouvert les portes du marché asiatique plus largement. Donc voilà. Là, avec Anthony Pastor, on est dans de la bande dessinée de genre. Et donc on pourrait dire que le roman graphique, c'est un petit peu le nouveau nom de la bande dessinée d'auteur, que l'on a coutume d'opposer à la bande dessinée de genre. Anthony Pastor, il fait du polar, il fait du thriller, avec des intrigues formidables, mais il le fait sur 200 ou 300 pages, avec une écriture extrêmement moderne. C'est un vrai travail d'auteur. Il n'y a pas de série, ce ne sont pas forcément des personnages qui reviennent donc d'un titre à l'autre. Et voilà, il s'est imposé avec. On a fait 5 livres ensemble, et puis Casterman est arrivé avec son gros chéquier et l'a récupéré. Oui, parce que ça arrive souvent. C'est Actes hein. Sud qui a un petit chéquier, surtout. Ça, c'est vrai aussi. Très petit, même, je le confirme. Bon, voilà 2 autres livres importants de la collection. À gauche, Irmina, donc c'est une dessinatrice, Barbara Yelin, qui a retrouvé, après la mort de sa grand-mère, dans un coffre, les journaux intimes qu'elle avait tenus tout au long de sa vie, et personne ne savait qu'elle tenait un journal. Donc, elle s'est plongée là-dedans, et elle n'a pas raconté la vie de sa grand-mère, mais elle s'est inspirée de cette matière première pour imaginer l'histoire d'une jeune femme allemande à partir des années 30, qui va être plongée dans la tourmente des années noires du Troisième Reich, qui va y laisser quelques plumes. Et y a un épilogue dans les années 80 où elle retrouve son amour de jeunesse et où elle fait un peu le bilan de ce qu'a été sa vie. Et c'est un extraordinaire portrait de femme et de femme inscrite dans l'histoire. Alors, on a beaucoup de romans graphiques importants, autobiographiques, où le narrateur finalement raconte la manière dont il a été pris dans l'histoire avec sa grande hache, comme aurait dit Georges Perec. Donc c'est Maus de Spiegelman, c'est Persepolis de Marjane Satrapi, c'est d'une certaine façon l'Arabe du futur, c'est Keiji Nakazawa dont la famille a été bombardée à Hiroshima, etc. Donc c'est un filon qui est important dans le roman graphique. Et là, on a aujourd'hui des auteurs qui font de la fiction, mais avec les mêmes matériaux. Hein. À droite, une adaptation d'un texte littéraire, mais relativement inattendu, puisque Pablo Oladel, qui est un dessinateur espagnol, est allé chercher Le paradis perdu de John Milton, qui est un grand poème épique qui compte des milliers de vers, qui raconte comment Adam et Ève ont été chassés du paradis. C'est un classique de la littérature anglaise, beaucoup moins connu chez nous, mais qui avait été illustré par Gustave Doré au 19e siècle. Il y avait de magnifiques gravures. Par contre, il n'y avait jamais eu de version en bande dessinée. Et donc, ça donne un livre aussi très, 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 très étonnant. Alors, il se trouve qu'en plus d'être éditeur, je suis historien de la bande dessinée, et donc, à ce titre, je fais aussi des livres qui ont un caractère patrimonial. Je vais rechercher dans l'histoire de la bande dessinée des pépites oubliées, des choses qui n'ont jamais été traduites, des trésors enfouis, et puis j'essaye de les faire découvrir ou de les mettre à la portée du public francophone. Bon, Alain Saint-Augan, c'est le créateur de Zig et Puce, qui fut le plus gros succès
de la bande dessinée d'expression française dans les années 30, hein, un succès comparable à celui d'Astérix dans les années 60, mais il n'y avait pas encore un seul livre qui était consacré à Saint-Augan, à sa carrière. Il a fait beaucoup d'autres choses que Ziguepus, donc voilà, c'était important de lui rendre cet hommage. Et puis là, on a Nancy, qui est un classique du comic strip américain, et à droite, un dessinateur anglais, Bateman, qui fut le dessinateur vedette du Punch dans les années 1920-1930, et dont les scénettes en une page muette, sans parole, sont restées célèbres et sont extrêmement drôles. Deux autres livres à caractère patrimonial aussi, Barnaby, je vous montre une planche dans un instant, c'est aussi un strip américain, et à droite Fletcher Hanks, c'est un dessinateur qui n'a fait de la bande dessinée que pendant un an et demi en tout et pour tout, en 1939-1940, et qui a inventé la première super-héroïne. Avant Wonder Woman, qui est généralement citée à tort comme la première, il y a eu Fantoma, vous voyez ici en couverture, qui est cette magnifique femme blonde qui peut se transformer et qui règne sur la jungle et combat les méchants de toutes sortes. Et donc ce gros livre qui fait plus de 300 pages réunit l'intégralité de l'œuvre de Fletcher Hanks, hein, tout ce qu'il a fait dans il y a une cinquantaine d'histoires qui ont été à l'époque réparties dans des comic books assez obscurs. Voilà. Ça, c'est deux strips de Barnaby, donc qui s'adresse plutôt aux enfants et qui est une bande dessinée vraiment merveilleuse sur un petit garçon qui voit débouler un jour dans sa vie un parrain fée. Habituellement, c'est une fée, une marraine qui se penche sur le berceau des enfants, hein, et qui le part de tous les dons. Là, ce parrain fée est un petit bonhomme rondouillard qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend et dont la baguette magique est son cigare. Mais il a deux petites ailes dans le dos quand même qui témoignent de sa nature féerique, et donc ce sont des aventures burlesques mais pleines de poésie, pleines d'inventions, où on va croiser aussi des trolls, des fantômes, etc. Et personne ne croit à l'existence de ce parrain fée. Le petit garçon n'arrive pas à convaincre ses parents, son entourage, que ce personnage existe ailleurs que dans son imagination. Valentina de Crépax, tout à l'heure on parlait d'Hugo Pratt, mais dans les mêmes années 60, Crépax avec Valentina faisait lui aussi déjà du roman graphique avant la lettre, et était publié en France par Eric Losfeld, qui est un des éditeurs pionniers dans le genre. Il se trouve que Valentina, dans la carrière, s'étale sur une trentaine d'années. 29 albums, je crois, en Italie, et il n'y en a qu'une moitié environ qui ont connu une édition française. Donc j'ai voulu, moi, faire une intégrale de Valentina. J'ai sorti deux volumes, et comme le public n'a pas suivi, ben, ça s'est arrêté là, malheureusement. Mais voilà deux pages de Crépax, considéré comme un grand rénovateur de la mise en page en bande dessinée, et quelqu'un qui... faisait passer dans ses récits, à une époque où c'était vraiment pas chose courante, ses opinions politiques, et en l'occurrence il était trotskiste, son intérêt pour la littérature, pour l'art contemporain, pour le cinéma, pour tout un tas de choses, et c'est vraiment une œuvre d'auteur. Il y a bien une héroïne, il y a bien une série, mais on est véritablement face à une œuvre d'auteur qui, à mon avis, restera comme un des classiques de l'histoire de la bande dessinée. Et puis je vais m'arrêter avec ces deux livres-là, où on sort de la fiction. Bande d'arrêt d'urgence, c'est un pamphlet en bande dessinée contre la civilisation de la voiture. Et on ne voit aucun personnage, on ne voit que des paysages, des routes, des ponts, des ouvrages d'art, et en fait tout est vu à travers le pare-brise du narrateur qui conduit à travers ses yeux, hein. C'est un livre très très étonnant, d'une très grande modernité. À droite, le déploiement de Nick Souzanis, c'est tout simplement la première thèse de doctorat qui ait jamais été soutenue en bande dessinée aux États-Unis. En l'occurrence, c'est une thèse en sciences de l'éducation. C'est donc une bande dessinée qui a été jugée recevable par le jury, et qui
réfléchi justement à la complémentarité entre le langage visuel et le langage verbal, et donc constitue au passage une sorte d'éloge de la bande dessinée et de ses possibilités. Bon, et bien là encore, contre toute attente, autant Bande d'arrêt d'urgence n'a pas marché du tout, autant le déploiement est un gros succès de librairie, et c'est vraiment inattendu. Et ça prouve qu'aujourd'hui, en bande dessinée, on peut faire passer n'importe quel type de message et sortir de la logique des genres traditionnels et même éventuellement du territoire de la fiction. Voilà, petit aperçu. Donc, ouais, là, les livres, vous ne pouvez pas les voir dans leur format véritable, mais je voulais insister sur le fait que, et je pense que ce sera vrai pour les impressions nouvelles aussi, je considère que je fais de l'édition à façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique de collection, il n'y a pas ni de maquette, ni de format préétabli. Pour chaque livre, on cherche quelle est la forme adéquate, celle qui mettra le plus en valeur le travail de l'auteur. Et donc les livres ne se ressemblent pas entre eux, contrairement aux livres de la collection Écriture chez Casterman, par exemple. Ce qui peut être un handicap en librairie, parce qu'on n'identifiera pas tout de suite un de mes livres comme faisant partie de la collection Actes Sud l'an 2. Mais c'est un choix. Voilà. Et on va passer aux impressions nouvelles. Tout à l'heure, tu as cité La Cage. Alors, les impressions nouvelles, c'est une maison d'édition qui a été créée en 1985. Vous étiez trois, il y avait Marc Avelot et Yann Battens. C'est une maison qui se veut généraliste, c'est pas une maison de bande dessinée. C'est une maison plutôt littéraire, plutôt littéraire dans son approche. Et l'essentiel de notre production, c'est de la littérature et de l'essai. Oui. Voilà. Mais l'un des premiers livres que vous avez publié fut celui-ci. Alors, je te laisse en parler. Vous avez des originaux de La Cage qui sont présentés dans l'exposition. Alors, quand j'étais très jeune auteur, même lecteur avant d'être auteur, j'étais fasciné par le nouveau roman. Et notamment une revue qui était publiée aux éditions de Minuit et qui s'appelait tout simplement Minuit, qui était une revue littéraire qui accueillait parfois de la non-fiction. Il y a eu Bourdieu, Deleuze et Guattari, mais il y avait des textes de Beckett, de Rob Grillet, mais aussi de jeunes auteurs. Et il y avait des dessins. Et parmi les séquences graphiques qu'il y avait, parce que c'était des séquences, il y avait un certain Martin Vaughan James, qui était un Anglais ayant vécu en Australie, puis au Canada, et dont le travail me fascinait. J'étais fasciné par le nouveau roman et j'étais fasciné par ces séquences. Il se trouve que à Toronto était paru en 1975 le livre The Cage, et je l'ai commandé, je l'ai lu, j'ai essayé de le faire lire, j'ai été un propagandiste inlassable. Et quand on a créé les impressions nouvelles, le livre anglais, enfin le livre canadien était épuisé depuis très longtemps, et donc l'auteur avait récupéré les droits, et pendant longtemps le livre n'a existé qu'en français. Alors, il y a eu une chose assez amusante, c'est qu'après 20 ans de travail de promotion, l'éditeur d'origine, Coach House Press, nous a dit « Ah, on va le refaire en anglais ». Alors on a dit « C'est gentil, mais maintenant il est à nous le livre, pour toutes les langues ». Donc ils ont dû nous racheter ce livre auquel ils avaient cru, mais je pense que c'est une autre équipe quoi, qui avait cru puis qui n'avait plus cru, et finalement ils l'ont repris. Il faut rappeler que Vaughan James avait choisi l'appellation de roman visuel. Roman visuel. Non pas roman graphique. On le voit ici, a visual novel. Voilà. Et c'est un livre aux frontières de la bande dessinée. On va voir trois doubles pages. Mais qui, moi, m'a fasciné, une narration sans personnage, un livre totalement en avance, parce que quand on dit A Contract with God est le premier roman graphique, on pourrait aussi bien dire que c'est cela simplement. Pour qu'un livre impose un genre, il faut qu'il franchisse un certain cap de succès. Je pense que c'était un petit éditeur au Canada, c'était un livre assez difficile, c'était un univers sombre, évidemment Will Eisner, qui était un auteur déjà établi sur la place, qui était à New York, etc., a pu donner un retentissement, comme Art Spiegelman a pu aussi. Il a trouvé une centralité que Martin Vaughan James n'a pas eu, mais c'est un livre qui est devenu culte au fil des ans, et je suis très heureux d'avoir récemment vendu les droits à la Chine. Donc les Chinois vont éditer aujourd'hui ce livre qui n'a quand même pas pris une ride alors qu'il est paru il y a énormément d'années. Malheureusement, Martin Vaughan James est mort il y a quelques années, et donc il a été, il faut bien le dire,
attristé par le peu d'écho de son travail, il est parti vers la peinture après avoir fait quelques romans visuels qui n'ont pas eu peut-être toute la reconnaissance qu'ils auraient pu avoir, mais que les théoriciens de la bande dessinée aiment beaucoup. Il y a comme ça quelques auteurs. Crépax, dont tu parlais, est un auteur culte. Fred, l'auteur de Philémon, est un auteur culte. Mais parfois, ils auraient bien aimé ne pas simplement se retrouver dans les histoires ou les livres d'analyse du genre, mais aussi dans les mains d'un large public. Enfin, Philémon a eu son succès, mais peut-être pas tout le succès que ses œuvres auraient mérité. Alors, voilà. Puis la bande dessinée n'a pas toujours beaucoup de mémoire. Et c'est aussi le rôle des éditeurs, tu le fais remarquablement. Voilà une autrice qui a eu du succès, elle. Ah oui, c'est ça notre pilule bleue et notre Jens Harder à nous, c'est pas Alpha ou Beta, c'est Fraise et Chocolat, qui est une autobiographie érotique d'une jeune femme. Et j'ai reçu comme ça 30-40 pages du livre par... le compagnon d'Aurélia Horita, Frédéric Boilet, qui voulait en faire un grand secret, et puis qui m'a dit, voilà, je te le communique en avant-première, il faut en parler à personne, et je veux ta réponse très vite. On va voir deux pages intérieures. Que les, je n'ai pas pris les plus chaudes, je crois. Que les oreilles chastes s'éloignent du poste. Ah bon. Oui, donc j'ai quand même pris un peu chaud. c'est très amusant, c'est un mélange d'autobiographie, d'érotisme cru et d'humour, et c'est un livre qu'on a aimé parce qu'il sortait un peu la bande dessinée érotique de son ghetto, d'abord par un regard féminin et puis par ce dessin très allusif. Et bon, voilà, alors on a eu la chance d'être bien reconnu très vite par la presse, ce qui fait que par exemple les FNAC, qui avaient au début mis ce livre tout en haut, dans les rayons réservés aux adultes, ce qui nous aurait mis très mal à l'aise, l'ont remis sur les tables, et donc le livre a eu une très belle vie et a permis à Aurélia Horita de développer après d'autres projets dans d'autres registres. Alors, on est assez coquin aux impressions nouvelles parce que Jimmy Beaulieu dans le genre... Jimmy Beaulieu, oui. C'est un peu sans frontières. On est un éditeur établi en Belgique, mais Jimmy Beaulieu est québécois. Peut-être qu'il a été attiré par le travail qu'on avait fait de Frédéric Boilet ou d'Aurélia Horita, qui sont deux auteurs pour lesquels effectivement la dimension érotique est très très présente, et bon, moi je suis très sensible au charme du travail de Jimmy et puis aussi à la sympathie pour les personnes. Nous ne sommes pas vraiment un éditeur de bande dessinée, tu es plus éditeur de bande dessinée que nous, tu es spécialisé, vous êtes vraiment spécialisé. Nous, je dirais que ça s'inscrit dans un paysage éditorial très, très divers. Et alors, c'est très amusant parce que nous avons beaucoup d'auteurs qui sont des gens sérieux, des universitaires, etc. Mais ils ne rougissent pas de se retrouver à côté de À la faveur de la nuit ou de Fraise et Chocolat. Et ça me fait très plaisir parce qu'on a un certain éclectisme. On ne peut pas dire que l'érotisme soit la dimension première de La Cage de Martin von Gibbs. Et donc, voilà, de La Cage à Fraise et Chocolat, on a quand même balayé. Puis on a aussi un petit peu publié Chantal Montelier, qui est une auteure qui nous est commune, qui a une conception un peu plus musclée de l'érotisme et du récit. Un auteur suisse, Mathieu Berthaud, qui a fait deux très beaux récits. Et là aussi, comme toi, on s'adapte vraiment à l'auteur. C'est-à-dire que pour nous, ce sont des prototypes. Chaque livre est un prototype, et c'est vrai qu'on ne s'est pas dit après Fraise et Chocolat, ben on va faire une collection avec que des érotiques. On en a reçu quelques-uns. Il se trouve que ce qu'on a reçu était médiocre. Donc on n'a pas poursuivi cette voie qui peut-être commercialement aurait été fructueuse, mais voilà, on ne retrouvait pas le charme du récit d'origine, et donc on est plus à l'écoute de l'auteur. Il faut dire aussi que nous avons une économie très restreinte, c'est un problème que beaucoup rencontrent, et donc que nous ne pouvons pas proposer aux auteurs des avances très conséquentes. Oui, moi, je suis auteur, je me bats pour les droits des auteurs beaucoup, et en même temps, comme éditeur, parfois, je suis un peu embarrassé. Et aussi, quand on édite des essais, comme d'excellents essais de Thierry Grunstein, par exemple, mais moi, j'aimerais proposer des avances formidables. Oui, moi aussi. Mais oui, mais je comprends. Je t'ai un peu étrillé sur Actes Sud, donc je prends tout à fait... Comme auteur, quand il m'arrive de publier aux impressions nouvelles, je ne me donne pas non plus une belle avance, parce que simplement, pour que le livre existe, il faut accepter cette économie
un peu de survie, cette économie d'urgence, qui est de dire, c'est quand même bien que ça existe, c'est quand même formidable que le livre soit là. Et parfois, il est récompensé par le succès. Mais évidemment, dans les grandes maisons, les auteurs attendent aussi des avances qui leur permettent de vivre pendant 6 mois, 1 an, parfois 2 ans. De moins en moins d'éditeurs sont en mesure de le faire, et ça modifie peut-être le paysage créatif de la bande dessinée. Alors, puisque tu as abordé la question économique, je voulais finir par là, et j'ai 2 questions pour vous deux. Moi, j'ai la chance d'être adossé à un groupe important, Actes Sud. Je crois qu'avec les bandes dessinées, Actes Sud perd de l'argent. Ce n'est pas un secteur qui est très rentable pour l'instant dans la maison. Mais ils peuvent se le permettre parce qu'à côté, ils publient Polostère, Millennium et plein d'autres choses qui marchent très bien. Dans le cas d'Atrabile et des impressions nouvelles, vous bénéficiez d'aide publique. Est-ce que vous pourriez faire le travail que vous faites sans cela ? Absolument pas. Ça veut dire qu'on en parlait un tout petit peu avant. Là. Les premières années, on a fait sans ça. Probablement porté par l'attrait de la nouveauté au niveau du public. Hein. Maintenant, on est considéré comme un éditeur comme un autre, toujours aux yeux du public. Donc, y a moins de presse. On a un traitement qui est peut-être moins de faveur qu'on pouvait avoir avant. Mais le gros changement, effectivement, c'est que tout d'un coup, l'État ou d'autres fondations nous ont soutenus à des moments clés de l'histoire de la maison d'édition. Ils vous soutiennent parce que vous êtes à Genève et qu'ils veulent soutenir les initiatives éditoriales locales. Ils vous soutiennent parce qu'ils ont de la considération pour ce que vous avez fait depuis déjà pas mal d'années. Ils vous soutiennent parce qu'il y a une politique en faveur de la bande dessinée et du roman graphique. Alors, tout ça. Tout ça. Tout ça, c'est clair que... Alors, à Genève, on a la chance d'avoir une ambiance politique qui est plutôt pour la bande dessinée. Ils ont réfléchi à une école, il y a l'école des Beaux-Arts aussi qui a un truc un peu autre, qui tourne autour de la bande dessinée, même si, comme c'est les Beaux-Arts, ça doit être un tout petit peu plus compliqué. Mais il est vrai que je crois qu'il y a une reconnaissance de notre travail aussi, et que peut-être le plus intéressant, c'est que dans la tête de certains politiques, on est passé en tant qu'acteur culturel, comme un théâtre ou un musée qui a besoin en tant qu'acteur culturel de subventions pour pouvoir continuer à... Voilà. Et c'est pas encore complètement fait, mais c'est dans cette direction-là que prend les subventions qu'on peut avoir. Et moi, je trouve... particulièrement intéressant. Alors, je ne dis pas que tous les éditeurs doivent devenir des acteurs culturels, mais c'est vrai que pour nous, ça correspond à une ouverture vers de nouveaux domaines de recherche et d'expérimentation. Donc, on y tient beaucoup. Et pour les impressions ? Je trouve très, très important ce qui vient d'être dit, parce que la bande dessinée, au départ, était considérée comme un secteur commercial, donc absolument autoporteur. Et on disait, si ça ne marche pas, il ne faut pas l'éditer. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a là de la création, de l'innovation, parfois des choses qui, par l'exposition, par exemple, peuvent sortir du livre ou qui peuvent se développer aussi sur Internet, etc. Et donc, il est nécessaire de se dire qu'une partie de la bande dessinée a cette dimension culturelle, que les éditeurs peuvent faire plus que simplement des livres, accompagner des auteurs dans des trajectoires parfois multimédia. Et donc, ça, c'est très important. Il se trouve que pour nous, aux Impressions Nouvelles, ce n'est pas du tout le cas. Parce que nous sommes un peu soutenus en Belgique, mais nous ne le sommes pas au titre de la bande dessinée. Nous le sommes plutôt pour la littérature et les essais. Et donc, pour certains livres, essais ou bande dessinée, il nous arrive de demander une aide ponctuelle, plutôt, parfois en Belgique, mais plutôt en France, au Centre national du livre. Et parfois, on l'a, parfois, on ne l'a pas. La difficulté pour une petite maison comme la nôtre, qui quand même fait à peu près... 18 livres par an, on a un catalogue maintenant de plus de 300 titres, donc on a beaucoup de livres. La difficulté, c'est que l'échec en bande dessinée est plus cuisant que l'échec pour un essai ou une fiction littéraire. La mise de fonds est plus importante, d'abord parce qu'on donne quand même une avance à l'auteur, un peu plus importante, et aussi parce que la fabrication impose, par exemple pour un album en couleur, un tirage
relativement conséquent, alors que pour certains livres, on peut faire un premier tirage très prudent et puis réimprimer sans que ça soit très difficile. On accompagne la vie du livre. Pour la bande dessinée, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que quand on a des paginations fortes, des livres en couleur, le risque est important. On a réédité l'année dernière un très très bel album de Frédéric Boilet qui s'appelle L'épinard de Yukiko, qui est une très belle histoire d'amour. Et ce livre, on a fait un tirage relativement important. On a pensé le faire découvrir à une nouvelle génération, à un nouveau public. Ça n'a pas été le cas. Et voilà, c'est violent. Et je crois que beaucoup d'éditeurs rencontrent cette difficulté. Toi, tu es un peu libéré maintenant avec Actes Sud de cette contrainte directement économique, mais on peut dire que les librairies, les diffuseurs avant les libraires, ont parfois le sentiment qu'un livre va avoir vraiment du mal à se faire sa place parce que, par exemple, il va sortir, je sais pas, fin octobre, et que fin octobre, toutes les grosses maisons d'édition arrivent avec leurs énormes nouveautés, et que si on ne se retrouve pas, comme Monsieur Toussaint Louverture, éditeur littéraire, avec moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, un énorme et magnifique travail artistique, mais aussi un énorme et magnifique travail éditorial, qui a permis d'imposer le livre très tôt, d'ailleurs, dans la saison. Quand on a pas cet effet-là, eh ben le livre, il n'est pas visible. Il n'est tout simplement pas exposé, pas montré. Il peut être magnifique, mais ce n'est pas sur Amazon qu'on va aller le chercher. Parce que je crois qu'une bande dessinée, plus encore qu'un roman ou un essai, on la feuillette, on se familiarise, on aime le dessin ou on lit quelques pages, et on ne va pas décider de faire un achat comme ça sur un titre, alors que bon, si on a besoin de, je ne sais pas moi, d'un livre d'histoire, bon, on peut faire confiance à un article qu'on a lu et le commander directement. Mais pour la bande dessinée, ce contact très matériel est important. Les festivals sont essentiels, comme Angoulême et d'autres festivals. Mais même à Angoulême, qui d'entre nous a la capacité d'aller véritablement jeter un œil à tous les livres exposés dans tous les stands? C'est impossible. On passerait les 4 jours du festival à aller tout regarder, qu'on n'aurait pas encore une vraie perception du marché. Et donc là, c'est véritablement un problème, c'est-à-dire que créer en quelque sorte est accessible, les écoles ont formé beaucoup, beaucoup d'auteurs, publier en un sens est facile parce que les techniques d'impression ont changé et même des gens qui faisaient du fanzine arrivent à faire des objets très beaux aujourd'hui, mais se faire identifier, avoir un chemin pour un auteur, c'est-à-dire développer une carrière, progresser, avoir une ambition plus grande et non pas courir derrière les commandes, ça c'est véritablement un problème. Et j'ai parfois l'impression, je ne veux pas finir sur une note pessimiste, mais j'ai parfois l'impression qu'un certain âge d'or est derrière nous. Pas l'âge d'or dont on parlait autrefois, mais un âge d'or créatif qui coïncide à peu près avec la fin des années 90, le moment où les indépendants sont arrivés, où le concept de roman graphique s'est imposé, où la créativité était là, où les auteurs étaient dans une émulation très forte et se parlaient beaucoup, où la scène internationale s'est dessinée. Et ben, j'ai un peu l'impression, c'est peut-être de 1990 à 2005 ou quelque chose comme ça, qu'on a eu un petit âge d'or et que là, ça s'étiole, c'est difficile, et que les gens aussi prennent un peu d'âge, et qu'il y a des sacrifices qu'on est prêt à 30 ans, à faire à 30 ans, qu'on n'est pas forcément prêt à faire à 45 ans, et que certains auteurs commencent à se dire, est-ce qu'on restera dans ce métier? Ou plus exactement, est-ce que c'est un métier? Or, pour un romancier, cette question se pose. Oui, mais juste en deux mots. Pour un romancier, la question d'avoir un autre travail, elle a toujours été là. Mais pour un auteur de bande dessinée, l'artisanat est une dimension très importante. Et donc, on ne peut pas dire... Mais il n'y a qu'à écrire pendant les vacances, ou dessiner pendant les vacances, ou le faire le dimanche. Non, il faut aussi se dire qu'il y a cette patience qui, à côté du talent, est indispensable. Il y a aussi toutes les sollicitations des festivals, des dédicaces, des machins, tout l'accompagnement des livres, et qu'il y a là quelque chose qui est menaçant.